Il compte à son actif trois Jeux olympiques de 1992 à 1998, Albertville, Lillehammer et Nagano. Après ses belles expériences en bobsleigh, Pascal Camia n'a jamais abandonné le sport pour autant. Il a déjà couru plus de 21 marathons. Il est même le premier monégasque à terminer les 6 World Marathon Majors, Boston, Chicago, New York, Berlin, Londres et Tokyo. Il a souhaité remettre sa Six Star Medal au Prince Albert II. Et parallèlement à cela, il a lancé une levée de fonds. J'avais vu que les athlètes avaient pu, grâce à leurs médailles, faire des levées de fonds dans leurs pays respectifs. Et j'ai pensé qu'il était judicieux de lier le dépassement de soi que l'on fait dans ces challenges que sont les marathons avec la solidarité à Monaco. Dans sa démarche, Pascal Camia a pu compter sur le soutien du comité olympique monégasque, de la compagnie monégasque de banque et du footballeur Olivier Giroud, ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire. La somme symbolique de 42 195 euros, faisant référence au nombre de mètres parcourus lors d'un marathon, a pu être récoltée. Elle a été reversée au Monaco Collectif Humanitaire. Ça permet également de pouvoir opérer 4 enfants, comme vous l'avez dit, sur le centre cardio-thoracique, et que je remercie. J'ai contacté aussi M. Guy Nerveau, qui m'a mis en contact avec Olivier Giroud. Donc c'était vraiment un élan de solidarité à travers ce challenge sportif. L'initiative de Pascal Camia a unanimement été saluée. Elle rappelle la nouvelle devise olympique adoptée par la session du CIO en 2021 à Tokyo. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble.